Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur la BIBLE, instruction de base avant que nous quittions Tessa. Depuis Studio 3 dans la colline Massachusetts, c'est Servante Skaïna Medron qui ensemble avec vous pour l'autre émission, pareil, émission Paulin. Donc nous saluons tous amis auditeurs, auditrices, fidèles à la radio Parole de Vérité, tout internaute nous, nous saluons, salutations spéciales avec Evan Samboise, secteur station. Nous saluons Maître Nunot Zama, pastoresse Nunot Zama, qui branché depuis Melrose. Bienvenue, bienvenue, la paix de Dieu vous soit. Réginald Telson depuis Haïti, qui toujours branché, nous saluer tout auditeur, toute auditrice qui au Chili, qui au Canada, la sœur Claudine Senatus, bienvenue, bienvenue sur la BIBLE, nous avons une émission qui est très intéressante pour jeudi. Et nous pas entrer dans la doctrine, mais pendant l'émission, ça nous voulait faire encourager ou, pour prier, pour nous bâtir bon Dieu gloire ensemble. Donc, sous ta remerie, participer avec nous. Numéro de participation, c'est 617-903-7140. 617-903-7140. Ça, c'est numéro panneau dans Studio 3 seulement. 617-903-7140. Sous ta remerie, sous ta vle témoigner, dit qui ça. Seigneur a fait pour vous et sous ta remet encourager on l'autre monde. Donc c'est émission n'a pour vrai micro pour vous pendant émission ça. Donc quel que soit côtoyer, relé en amis, relé en famille, di brancher sur radio Parole de Vérité pour internet nous, yo pas oublier partager le sous page. C'est comme ça ou ka aider propager l'évangile. Ou ka visiter site internet radio qui www.radioparoledevérité.com, www.radioparoledevérité.com. Nous sous TuneIn, sous déjà sous TuneIn, tapez Radio Parole Vérité, Radio Parole Vérité. Konsap ka tande nou et sou ta remen participer avec nous. Nou live kounye nan Facebook ou ka suiv nou sou Radio Parole de Vérité ou bien sou SG Ministry. SG Ministry sou Facebook, c'est comme ça que vous joignez nous ou ta remen participer pour internet nou yo poser question, taper question relé. Si que pas aux États-Unis, mon gen WhatsApp ou ta remen relé nous. Numéro WhatsApp nous c'est 857-313-99-44, 857-313-99-44, 857-313-9944, 857-313-9944, or if you want to call us, 617-903-7140, 617-903-7140, that's our number where you can get in touch with us. Et encore une fois, sous fait branché, nous saluons la sœur Jésus la Amboise spécialement, qui toujours branché. Sous émission ça a pas oublié partagez soit tendez nous dans radio relé en amis relé en famille bar information radio Parole de Vérité pour yo ka branché. Et si vous son on fan émission ça sous son auditeur ou auditrice qui fidèle ou connaît que pendant période ça n'a couvri doctrine majeure yo, mais pendant émission ça je dis n'a ponti pause pour nous bâiller bon Dieu gloire et nous voulons encourager à travers parole bon Dieu parce que gen moun qui attendent nous qui décourager gen moun qui besoin renouvellement de force. Donc si que ou là ou c'est un monde comme ça, nous encourageons à prend bibou, à prend plume, à prend cahier pour nous prendre note. Et pendant que on prend note là, faut que nous baï bon Dieu gloire, nous parle baï bon Dieu gloire tout à travers émission ça. Donc n'a prier, n'a bon mot d'encouragement et puis gagnons passage spécifiquement que moi préparé pour nous encourager à travers la parole de Dieu. Donc encore une fois merci pour attention. Nous parle temps des musiques côté bibou de orchestre révélation. Aussitôt qu'on tendait musique ça, c'est le moment pour lever. Pendant qu'on pleuve, on prend tout à fort tout bibou, pas oublier reler aux amis, reler en famille, partager sous pas jour pour qu'attendez. Nous pas laguer spot avant qu'on tendait musique ça, nous pas laguer spot plusieurs façons qu'on attendait Radio Parole de Vérité. Donc prends plus mou pour prendre note, rejoins-nous tout de suite, n'a pour retourner. La paix de Dieu vous soit, bonne écoute et sans oubliez, n'a salué évangéliste Abdias Alvarez qui a suivi nous. Que bon Dieu bénisse. Bienvenue sur la BIBLE. Gardez l'écoute, n'a pas retourné tout de suite. Que Dieu vous bénisse.
ou branchez Radio Parole de Vérité. www.radioparoledevérité.com. La radio qui fait la différence. Ou qu'à côté nous, si on est aux États-Unis, sur 712-275-82-93. Ou bien 515-605-5646. Si on est au Canada, ou qu'à côté nous, 1-867-675-1667. Sur la République dominicaine, ou qu'à côté nous, sur 1-829-999-2572. Si on a la coule à France, coûtez-nous sous 3-318-014-0004. Radio, parole de vérité, la radio. Thank you.
Radio Parole de Vérité. Radio Parole de Vérité. On appétit l'église. Bienvenue, bienvenue encore une fois sur la BIBLE. Instruction de base avant que nous quittions Tessa. Welcome to the BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth on Radio Parole de Vérité from Studio 3 in Lynn, Massachusetts. This is Kaina Mendron. Like I said, today is a special show. We're going to give God's praise. We're going to go to His Word. We're going to lift them up because He deserves all the glory. Nous parlons de bon Dieu gloire, nous voulons, parce qu'il méritait toute gloire. Donc, sous fait branché, vous obtenez la BIBLE, instruction de base, avant que nous quittions ça, sous un bibo avec ou rejoignez-moi dans le Somme 146. Somme 146, côté que nous parlons ouvrir pour nous bailler bon Dieu gloire, jusqu'avant que nous entrions dans la prière. Le Somme 146. Somme 146. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Oh, alléluia. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, au Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, au Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel. Papa, nous qui dans le ciel là, Dieu le Père, Dieu d'amour, Seigneur, nous te merci. Merci pour gloire, oh Seigneur. Merci pour bonté, oh alléluia. Merci pour grâce, oh. D'éternité en éternité, Seigneur, tu es Dieu. Ou régner, Seigneur. C'est vous-même qui créez ciel là avec terre. Seigneur, parole nous dit, we are fearfully and wonderfully made, Seigneur. Ou créez nous bien. Nous disons merci pour ça. Seigneur, tout autant à vivre, nous voulons bon gloire. Parce que ou c'est bon Dieu. Seigneur, nous disons merci de ce que vous sauvez nous. Nous disons merci, Seigneur, de ce que vous mourrez pour nous. Nous pas mériter ça. Ou pas tant que nous t'es changé, mais on dit pendant que nous t'es péché, pendant que nous avons péché, nous, Christ mourit pour nous. Seigneur, nous disons merci. Est-ce que Père très saint, ou prend soin tout le monde. Seigneur, veuve yo, orphelin yo, Seigneur. Seigneur, même Lily qui n'en valait yo, Seigneur, ou prend soin de yo, alléluia. Paul ou dit même Salomon dans toute gloire, li, papi bien habillé passé yo. Allah ou merveilleux, Seigneur. Là, nous contempler bonté au Seigneur. Nous pas gen bouche pour nous parler. Moi, nous pas suffit, Seigneur, pour nous dire Jean ou grand. Seigneur, nous salmodier non dans moment ça. Nous exaltons, Seigneur. Nous bon gloire, honneur qui digne à nous-mêmes, Seigneur.
Car tu es le grand je suis, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, nous disons merci pour tout internaute qui branchait. Nous disons merci pour tout auditeur, auditrice, Seigneur, qui déjà là, Seigneur, qui préparait, qui oreilles déjà ouvri, Seigneur, pour bonne gloire. Quel que soit côté, oh yes, Seigneur. Nous demandons toucher spécial pour yo. Quel que soit sa fait, nous demandons touche spécial pour yo, Seigneur. Touchez, Seigneur. Bénis, Seigneur. Guéris, Seigneur. Délivrez, Seigneur. Renouvelez de force, Seigneur. Alléluia. Parce que nous voulons qu'on ait nos niveaux qui sont plus profonds, Seigneur. Cet esprit qui est dans nous-mêmes, non. Nous voulons pour le manifester, Seigneur. Pour nous semblables à nous-mêmes, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur. De ce que vous adoptez nous, ou ba nous accès pour nous relo Abba, Papa. Donc, Papa chéri, merci pour sacrifice petit tout Jésus-Christ. Côté te mouri sur le bois du calvaire, sans ça te couler, non sans ça gain puissance, non sans ça gain liberté, sans qui rive sous montagne qui piro, li descend dans la vallée qui pi fond, Seigneur. C'est à cause de sans ça m'ka des microphone ça, c'est à cause de sans ça oreille ou ka tande ça n'a dit kounye, oreille spirituelle ou ka ouvri. Seigneur, nous disons merci pour sans ça, Seigneur. Qui pa jamais perdu puissance li. Seigneur, encore une fois, nous bon gloire, honneur, ou même seul qui méritait, non pas à cause que nous dignes ni nous bons, mais nous mandons tant prie, Papa, souple, recevoir adoration nous, recevoir méditation cœur nous, comme un parfum de bonne odeur qui t'est monté à nous-mêmes, Seigneur. Nous prions dans nom Sauveur, nous Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Thank you.
Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Marie-André Faustin, Marie-Laura. Bienvenue, bienvenue, Jasmine Richemont, Harold Boiron. Bienvenue sur la BIBLE. N'a pas bon Dieu, gloire à soya. Sous ta remet participer. Relais numéro qui sur écran 617-903-7140. Ou bien souviens WhatsApp 857-313-99-44. Oui, il est le grand je suis. The great I am. The great I am. Yes, hallelujah. Bye bon Dieu, gloire. Bye bon Dieu, gloire. Bye bon Dieu, gloire. Yes. Hallelujah. Holy, holy, saint, saint. Oui, Dieu Tout-Puissant, le grand je suis. Si bon Dieu fait grâce, si bon Dieu fait travail dans la vous, belle gloire, nous saluons ma créature depuis Brésil. Bienvenue, 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 bienvenue. La Guyane, je m'excuse, ma créature, c'est la Guyane. Joseph Eric, Joseph Eric, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Pas oublier partager le soupajou. On by bon Dieu gloire, on by bon Dieu gloire. Pas personne tant que lui-même. No one like you, Lord. No one like you, Lord. No one. Where there's no one like you, Lord. Pas gen lot tan kou, Seigneur. Pas gen lot tan kou, car tu es le grand je suis, Saint, 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 le Dieu Tout-Puissant. The great I am, le grand je suis. Sous fait brancher, n'a pas un moment d'adoration pour nous, bon Dieu, gloire, pour tout ça que lui fait pour nous. Ou à peut-être des missions pour la BIBLE, instruction de base, avant que nous quittions ça. Et nous pas vraiment gon leçon. Mais nous avons une parole que nous avons partagé ensemble avec vous. Sous senti découragé, amen. Sous senti que vous troublé. Moi, invitez-vous pendant l'émission ça. Et nous avons une petite, mettez à genoux devant papa. Agenouillé devant papa. Bow your knees before the Father. Bow your knees before the Father. Parce que c'est celle-même qui cabane nous tout ça que nous besoin. C'est lui-même qui crée nous. C'est lui-même qui connaît tout besoin personnel, tout besoin intime nous. Zami nous pas qu'à connaître. Maman nous pas qu'à connaître. Papa nous pas qu'à connaître. Marie nous pas qu'à connaître. Madame nous pas qu'à connaître. Mais Seigneur là, c'est lui-même qui crée nous. Alléluia. Donc, si vous avez besoin de vous, quel que soit côté, bon Dieu a touché vous. Dans l'omniprésence, li, alléluia, li tout côté. Li tout côté. Mais est-ce que li dans la vie ou en relation? En essence, bon Dieu tout côté. Ni côté qui bon, ni côté qui mauvais, li tout côté. Parce que li omniprésent, li tout côté en même temps. Li omnipotent, li gen tout pouvoir. Li omniscient, li kon tout bagay. Donc pa gen rien nou ka cacher Seigneur. Gen moun même la fait mal là bon Dieu connaît parce que bon Dieu là en essence li là. Mais est-ce que bon Dieu ça, le grand je suis, le Dieu tout puissant, El Shaddai, El Elyon, hallelujah. Est-ce que ils sont bon Dieu relationnel? Est-ce qu'on carré le Jéhovah? Parce que là nous dit Jéhovah Yahweh, c'est une relation qu'on a avec elle. Si pas une relation avec elle, si pas de bon accès pour te reler le papa, ou pas capable. Donc pendant l'émission ça, dis bon Dieu ouvre les oreilles moi. Ben moi la foi qui sauve pour me connaître mieux en mieux. Confesser péché yo. Parce que li dit si li confesser, li juste est bon pour pardonner nous.
comme ça n'a kabali gloire honneur louange seul qui méritait mande mon Dieu pour bon esprit d'adoration dans moment ça pour qui t'ai touché cœur sous sent tout fatigué dit restaurer joie salut hein. Même Jean David t'ai dit restore unto me the joy of my salvation. Fais le bon un esprit nouveau. Un cœur qui pur. Un cœur de chair. Pour kabali gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Si que ou gen bibou, et m'te dit comme ça que pour chercher bibou. Nous t'a remé pour aller avec nous. Dans passage sujet que nous allons traiter pour pendant l'émission ça et n'a joindre dans Éphésiens épître de Paul aux Éphésiens qui dans Nouveau Testament Éphésiens c'est là que nous allons aller pour nous encourager et si que ou poko li livre ça si ko dou nan Christ ha, ou poko li livre ça moi encourager ou entrer dans livre ça l'île parce que l'a encourager ou la foi Seigneur dans l'autre niveau ou comprendre place ou comprendre place en tant que chrétien en tant que un disciple de Christ ou comprendre place ou position en Christ livre ça expliquer très 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 bien. Donc, on prend avec moi dans Éphésiens. On prend aller dans chapitre 3. Dans chapitre 3. Et on va entrer dans verset 14. Ephesians 3, verse 14. And we're going to go all the way to verse 21. God has been ministering to me through those verses. Amen. Ça, c'est Paul. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Soulignez ça. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, soulignez ça, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, souligner ça, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. En verset 21 encore. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Bon, moi, lis ça pour en anglais. I'm going to read it in English. Ephesians 3, from verse 14 to 21. For this reason, I bow my knee to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened, underline this word, to be strengthened with might through his spirit in the inner man. It's important to underline that. Inner man. That Christ may dwell in your heart through faith, that you, being rooted and grounded, underline rooted and grounded, in love, may be able to comprehend with all the saints
what is the width and the length and depth and height. To know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. To him be glory in the church by Christ Jesus to all generation forever and ever. Amen. To him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. 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 Passage ça, son passage qui est vraiment important. Parce que Paul lui-même nous est que dans l'épître ça, dans verset ça, que dans chapitre ça, côté de ce lien, il a prié. Il commence verset à, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Il dit, il a genouillé, il mettait la genou devant papa. Et ça que fait, il dit comme ça, que nous voulons, mon Dieu, gloire. À travers, pendant que nous méditons sous passage ça. Là que nous gardons ciel là, nous gardons ciel qui plein étoiles. Nous avons l'aimé petit Haïti. Ici tellement de lumière aux États-Unis, des fois pas de chance pour étoile. Mais là en Haïti, ou couché pas de lumière et puis ou on belle lune et pour regarder toutes étoiles ou couché ou on a couché sur tête d'oka ou bien ou prend bon vent, c'est comme si on regarder étoiles ou voulez perdu la donne là, puis tout on pas comprendre ça ou est grandeur bon Dieu. You see the awesomeness of God when you look at the stars and you get lost into them. C'est même gens tout l'obtendo musique adoration, musique là prend li transformer, corps gen doit faire chair de poule, de l'eau commence à couler dans yo. C'est comme si ou devant bon Dieu ou pas ka di rien. When I look at the moon and the stars, the earth that you are created. Qui est l'homme pour penser à lui-même, le fils de l'homme pour prendre soin dans omniprésence li, dans omniscience li, dans omnipotence bon Dieu grand en pile. C'est ça qui fait qu'un moun au dernier jour k'ap di m pa jam tande parler de ou non, parce que la nature révélé grandeur bon Dieu, même le ko poko konnen bon Dieu en relation, mais en essence nature li révélé qui est lié. Donc c'est ça que fait. Il dit comme ça que dans verset dans même passage là, le lit dit comme ça que dans verset 18, il dit vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ou même qui chrétien, est-ce que vous connaissez? Pas gen rien qui pi grand, pas gen rien qui pi haut, pas gen rien qui pi large, pas gen rien que nous même quand même penser et imaginer que l'amour de Dieu. Ou gen doit dire remer mon Dieu. Mais est-ce que vous comprenez amour ça? Parce que ou dure mais bon Dieu, mais ou pas vle faire volonté. Ou dure mais bon Dieu, ou pas remé prochain. Donc qui a soit ba menti. Donc on nous entrer pour nous déchiffrer passage ça. Le Paul écrit lettre ça aux Éphésiens. Paul t'a passé une série de tribulations dans la ville.
li te nan douleur, li te nan route pour la lan prison. Mais pendant la route pour la lan prison, li découvri yon bagay ki tellement belle, on tellement bagay ki grand, ki wonderful, ki awesome. Dans la présence de bon Dieu. Parce que c'est dans la présence de bon Dieu, nous jouons la joie. Et Paul lui-même, lui exprimer joie ça, que l'a débordé avec lui. Lui écrit prière ça dans Éphésiens chapitre 3 verset 4. Pas gon prière qui est aussi bon, qui est aussi belle dans la Bible. Il est plus puissant que qu'un poète. Et Paul commençait parce que tellement Paul a débordé de joie, Paul commençait, il dit à cause de cela, je fléchis le genou. On nous fléchit genou nous devant le trône Seigneur. Sous besoin, entrer nos expériences avec mon Dieu qui est profond. Une expérience qui imaginable pour les hommes. Pour entrer dans la gloire de Dieu, dans l'amour bon Dieu. Son amour glorieux. En aller ensemble avec moi. Il dit comme ça que, à cause de cela, pour nous, à cause de cela, de qui ça pour la parler? For this reason. On nous allait dans, ma boire quelques points au Kalil, dans Éphésiens, chapitre 1er. Côté Paul, l'entrée, lui dit comme ça que, à la louange de la gloire de sa grâce, verset 6, qui nous a accordé en son bien-aimé. L'on allait dans verset 12. Il dit, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Là, nous descendons dans verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, nous voyons que ça, Paul a parlé, l'a parlé de plan mystérieux, plan bon Dieu, qui révélait, mystère là, qui était dévoilé. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Mystère là, c'est que bon Dieu lui-même, lui font plan de rédemption pour nous toutes, que juifs ou grecs. Pour qui ça le fait plan de rédemption ça? Pour sa gloire et sa grâce. Et ça le dit dans Éphésiens chapitre 1er verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé, qu'il a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Mais mystère là, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, si nous gardons, prions bien. Et nous voyons que ça pour la demander. Nous voulons pour nous comprendre passage ça. Soit suivre avec nous, ou bien soit fait monter, soit fait joindre nous, nous dans Éphésiens, chapitre 3, du verset 14 à 21. Donc, pour moun kap suiv nou yo. Et nous te déjà li prié en pou. Paul, li comprenne mystère ça. Nous seulement li comprenne mystère ça. C'est lui même qui t'a persécuté chrétien yo. Là, il était seul, il t'a persécuté chrétien yo. Li rencontre, il fait connaissance avec Jésus sur la route de Damas. Non, il changeait de Saul à Paul. Et c'est lui même que bon Dieu utilisait. Bon Dieu, bal on travail, his purpose, pour lui aller proclamer bonne nouvelle, pour aller proclamer l'évangile pour tout païen. Ça nous a dit grec, moi-même avons inclus. Donc, quand Paul lui-même, la prière pour Éphésiens,
pour les saints d'Éphèse. Et là nous garder prière ça, nous prier ça consistant avec volonté bon Dieu pour la vie nous. God's purpose for our lives. Nous pral noter, il y a une bonne bagaille que Paul pas mandé pour Éphésiens yo. Premièrement, il pas mandé pour prospérité matérielle. Pour les saints d'Éphèse, il pas mandé ça pour yo. Il pas mandé pour bon Dieu retirer eux dans douleur pour débloquer ou les roches pour yo pour préserver de tout mal, il pas mandé ça. Il pas mandé guérison pour yo ka physiquement en santé. Il pas prié pour bien-être physique yo. Il pas prié pour besoin émotionnel yo ou bien psychologique yo. Il pas prié pour transformer ou bien pour venir on expérience spirituelle parce que en pile fois nous kon prier pour ça nous dit bon Dieu besoin sentir ou non il pas prier pour ça là nous garder prière nous prier c'est comme si son prière qui l'a garder volonté de Dieu l'a lit parole bon Dieu ou besoin qu'on volonté bon Dieu dans la vie ou ka prend prière ça comme on guide. Parce que bon Dieu, l'El créé ou, l'I relé ou, l'I mouri pour ou, l'I fait route pour ou accepte l'. C'est ça que fait l'I dit comme ça que l'I déjà béni ou avec toute bénédiction spirituelle. Pour qu'a vive bien, pour qu'a grandisse spirituellement, pour qu'a mène envie de transformation, non pas de conformation. Pour sa gloire. Pour qui ça? C'est pour sa gloire. Pour la gloire de Dieu. Nous prenons une petite pause musicale. Pendant que nous avons de gloire. Et puis nous prenons l'entrée. Pour nous déchiffrer, prier ça pour vous. Pas oublier d'attendre la BIBLE. Instruction de base. Avant que nous quittions ça. Sur les ondes de radio Parole de Vérité. You are listening to the BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth, on Radio Parole de Vérité. If you just tune in, we are in Ephesians chapter 2-3 from verses 14 all the way to 21. God has ministered to me, to my soul, throughout this verse. Just like He blessed me, I would like to bless you. Let the Holy Spirit bless you. Let him get to know you. Kite le Saint-Esprit béni ou à travers passage sa yo. Et encourage ou. Prends ou. Écris passage sa yo. Lis chaque jour. La commence à transformer la voix. En nous prenons une pause. N'a pas retourné tout de suite. Gardez l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Radio Parole de Vérité. Depuis l'état de Massachusetts, Radio Parole de Vérité est à votre portée. Tout ça qui est écrit dans le livre là, c'est dans l'esprit bon Dieu qui est sorti. Il a servi pour montrer moun vérité à, pour combattre moun qui dans l'erreur, pour corriger moun qui a fait faute, pour montrer qui gens pour vivre bien devant bon Dieu. Comme ça, y a moun qui a servi bon Dieu, il tout pareil. Il a tout ça il besoin pour faire tout ça qui bien. 2 Timothée 3 verset 16 et 17. La BIBLE, instruction de base avant que nous quittions ça sur les ondes de Radio Parole de Vérité avec ministre de l'Évangile, Skaina Mendron. C'est une émission qui fait instruction biblique, nous discuter des choses sociales, spirituelles et éducatives. Donc branchez chaque jeudi soir de 7h à 9h. Et chaque dimanche de 5h à 7h sous Radio Parole de Vérité. Je garantis vous ça, Namou a béni. Rejoice!
Amen, amen. Pas de âme qui forge contre vous-même sera sans effet. Bienvenue, bienvenue, je suis Simonis. Bye, mon Dieu, gloire, bye, mon Dieu, gloire. Zoé de Jesus, Marie-Laurent. Jean Teddy, André Zalsen depuis Haïti. Bienvenue, bienvenue. Ketia Jean, Simat Daphné, Polimon, Emmanuel Raphaël. Bienvenue, bienvenue. William Jean. La B-I-B-L-E, Makatio, Scott, bye mon Dieu gloire, pour toute ça le fait dans la vous. Bye mon Dieu gloire, bye mon Dieu gloire, bye mon Dieu gloire. Amen, amen, amen. Bienvenue, bienvenue. His name is Jesus. Ou plus que vainqueur. Yes, ou c'est tête ou pas que. Rempli avec le Saint-Esprit. Rejoice, rejoice, rejoice.
Hallelujah. Hallelujah. Rejoice. Réjouis, réjouis, parce qu'au plus que vainqueur. Amen. On fait partie du royaume ciel là, au héritier. C'est ça que nous fait ce toit. Non. Éphésiens et sous fait rejoindre nous après des émissions parlant la BIBLE instruction de base avant que nous quittions ça sur les ondes de radio parole de vérité et m'abdou mais pour que ça pour réjouir Éphésiens chapitre 1 verset 7 il dit en lui nous avons la rédemption par son sang la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et d'intelligence. Si parole ça yo pas faux réjouis, pas connait qui est souillé. If you don't rejoice by these words, I don't know who you are. So let me do a quick recap in English before I continue our topic. I'm in Ephesians chapter 3 verses 14 to 21, and I was saying that it started for this reason, I bowed down the knee. This is what Paul says when he started with the prayer. He's like, for this reason, I kneel before the Father. And we were talking about what reason is he talking about? The reason is that Christ has redeemed us. That's the reason the great mystery has been opened. But throughout the prayer that we read from verse 16 to 19, what Paul is asking, or before I said what Paul is asking, what Paul was not asking for the Ephesian saints, he was not asking for the physical health. He was not praying for the physical health or well-being. He was not praying for the emotional, the psychological needs. He was not praying for that. He was not praying for the prosperity, for material things. That's not what he was praying for. He was not praying for them to have like an ecstatic spiritual experience. He was not praying for God to remove pain and trial from their lives. But we're going to go deep down from verse 16 and find out exactly what Paul was praying for. On nous aller dans verset yo, commencer du verset 16 pour nous voir qui ça Paul t'a prié, il t'a demandé bon Dieu pour saint yo. Avant que m'aller bon ba non ti, bon mettre passage dans contexte historique pour nous. Et dans culture juif là, moun pa t'konn prier à genoux. Majorité fois moun a prié, yo campé. Le que ou mette à genoux, ça montrait que ou non niveau que ou non adoration qui profond. Ou a montré que ou son monde qui submissif qui soumet et puis ou gon besoin, ou gon comme ça dire ou gon emergency, ou gon canal 911. Donc là ou mette à genoux. C'est ça, ça veut dire. Parce qu'en pile fois, là, qu'on prie, dans la culture juif là, dans la culture juif là, c'est comme ça que yo te qu'on prie. Donc, nous, ouais, que le fait que Paul commençait, bagala, à cause de cela, passage à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. Ça a déjà montré que Paul lui-même, lui, non, adoration profonde. Ligon urgence, on ka urgence, la potée devant Seigneur pour les saints d'Éphèse. Donc, on nous prend première partie. Premier bagay, Paul mandé, dans verset 16 là, il dit, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, premier bagage, il mandé pour yon puissamment fortifié par l'Esprit Saint dans l'homme intérieur. L'homme intérieur. Strengthened through his spirit. So, premier requête que nous est, c'est ça que le mandé. Pour yon fortifié. Puissamment fortifié. Par son esprit dans l'homme intérieur.
Côté transformation sorti. Il sorti dans l'homme intérieur. Our inner being. Du plus profond de nos cœurs, c'est là que sorti. Il utilisé puissamment parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui bail force. Ça fait il dit l'homme faible moins fort. Ça fait force c'est parce que le Saint-Esprit dans nous-mêmes physiquement ou bien doit faible. Même leur faible spirituellement, il dit, il fort en dedans. Donc, là, nous garder un front monté pour nous prendre le contexte. Dans verset 13, là, même Ephésiens chapitre 3, il dit, aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. L'imadeo puyo pas perdu courage. Ou même cap tandem dans moment ça. Est-ce qu'on sent tout voulez décourager? Trop peine, trop tribulation, trop charge sous dos, ou voulez perdre courage? Verset 16 ans, c'est pour vous. Il dit afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié. Au lieu que vous pas capable encore, au lieu que vous lavez bon aussi ou finak ça. Pour tes problèmes, yo bay bon Dieu, pour tes circonstances, yo bay bon Dieu. Ou est Paul pendant qu'elle était en route pour prison. Il dit moi pas découragé à cause de tribulation. Moi me connaissais moi même qu'a pour tomber de reconfort pour ou qu'a dit comme ça que bon mon nan vini la prochaine peut-être pas la souffrir. Paul dit pas perdu courage pour qui ça? Parce que les tribulations, elles sont votre gloire. Donc, ou pas qu'à give up. Ou pas qu'à décourager. Ou pas qu'à virer tout, by Seigneur. L'hypocrite répond nous, mais la répond nous quand même. Pendant qu'on voulait décourager, priez, priez ça. Dis bon Dieu, renforcez-moi. Fais prier ça. Selon richesse de sa gloire. Et nous connaissons que richesse, mon Dieu, illimitée, sans limite. D'être puissamment fortifié. Fortifiez-vous dans le Seigneur, frères et sœurs. Parce que à travers prière sa requête, ça, Paul t'a aimé pour nous grandir dans la puissance de cet esprit. Là nous perdu espoir, c'est vers bon Dieu pour nous tourner. Séparer les amis, séparer les familles, séparer les pasteurs, séparer les diacres, ni diconèses, ni elders, ni prophètes. Mais ça qui est en dedans là, taper la donne. Le Saint-Esprit bon Dieu fortifie nous. Il fortifie l'homme intérieur. Ne pas parler physique, l'homme intérieur. Sont fatigué spirituellement, chroniquement, ou doit avoir maladie. Checker avec docteur, mais on a parlé de l'homme intérieur. Ça veut dire partie qui est plus profond dans nous-mêmes, dans l'esprit, dans nous. Parce que le bon Dieu dit, il crée l'homme à son image. Image, c'est pas une image physique, mais son image esprit qui reflète quand Dieu est esprit. Donc, esprit nous, supposé être connecté avec bon Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a apaisé soif nous. C'est ça, Jésus-Christ a dit, femme samaritaine, ma bon de l'eau pour pas j'aime soif, qui de l'eau ça est, c'est le Saint-Esprit du Dieu vivant. C'est pas tant de l'eau physique, mais on de l'eau spirituelle. Donc, sous fatigué et assoiffé, mandez bon Dieu. Pour l'accorder, pour recevoir une nouvelle force, pour qu'on ait dans l'autre niveau, pour qu'on boive dans l'eau, dans ce qui ne peut jamais finir. Et sous ça, il est déjà dans nous-mêmes. C'est lui-même qui a restauré, qui a commencé à opérer dans la vie, qui a bon volonté, mon Dieu, faite dans la vie. Des fois nous-mêmes chrétiens et nous sortons l'île pour où? Dans Ephésiens
Christ déjà habité dans nous-mêmes. M'pa konn comment pour me dire ça encore. Christ already lives in our heart through his spirit. Le que ou bay Seigneur la vie ou yon nan kado ko jwenn, c'est le Saint-Esprit parce qu'il dit comme ça que li nan porte nan la frappe, si yon moun vi ouvri pou li, l'arrêter la habiter ensemble avec ou. Donc ou gen le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité habiter en dedans. Dwell, résider, le mot c'est résider, prend place li. Kite bon Dieu façonner la vie ou. Dans moment ça. Deuxième bagaille dans verset 17 partie B. Il dit afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Non seulement le bon Dieu kounyan fin fortifié par son esprit, kounyan ap enraciné et fondé dans l'amour. Le nou wè deux mots ça. Le nou wè le mot enraciné. Ou commence à penser avec plante, pied bois. Le fait plante en pied bois, m'te fait une illustration déjà sur ça. Le fait plante en pied bois, yon semaine, deux semaines, ou ka ti pied bois grandi, n'importe moun ki vini ka rachel. Parce que racine nan, poko pren force dans terre. Yon mois, deux moun ka kampe yon ralel. Mais depuis le commence gen 3 mois, 4 mois, 6 mois. Racine un an, racine a commencé à entrer en bataille, la prend nutrition, comme qu'a dit ça, taking nutrients dans terre ou pas ka raler encore. Kounyan sou besoin, on va pas obligé pour un bagage pour couper pied bois ça. Li utilise deux mots, deux métaphores, utilise enraciner, ça veut dire que ou supposé être fondé, gen racine cet esprit. Et deuxième mot que li utilise c'est fondé. Le wap bati yon kay, fò kalan gen fondasyon ki solide. Si kalan pa gen fondasyon ki solide, nè pòt bagay ki rive, kay sa pralé. Isi to Etazini, le bati kay, pwemye bagay wè yo bati, yo fè fondasyon. Se nan fondasyon, yo pran plus tan. On ti moman wè, depi fondasyon fin fè, se bat ou bat jo, epi wè kalan gen tan kampe sou pye. Donk, lè li di sa. Enraciné et fondé. Dans quoi? Dans l'amour de Dieu. Enraciné et fondé dans l'amour. C'est dans l'amour, bon Dieu, nous avons assurance. Alléluia. Le Saint-Esprit mettait sauce nous, liba nous assurance. Que non seulement, bon Dieu, remet nous, li accepte nous. Amen. Bon Dieu, béni, on se béni, Jacques. Li accepte nous. Même Jean, nous sommes premiers. Absa, sommes-nous sans faire illustration avec moun qui a suivi le commandement Seigneur. Il dit c'est un courant ab qui plantait bon courant d'eau. C'est comme ça, le Saint-Esprit dans nous-mêmes. Ou supposé enraciné dans l'amour de Dieu. Non seulement l'on enraciné l'amour de Dieu, comment ça va passer? Amour ça connait pour commencer déborder parce que l'on planté pied bois ça, le pied bois commencer prendre racine, l'on osé le mettre en grain la donne, il prend tout en grain, connait pied bois grandit, si son pied mango, connait pour commencer produit fruit, connait tout monde qui vient joindre dans mango, c'est ça nous les produit fruit. Sou enraciné dans amour de Dieu, ka produit fruit, ou ap gen amour. Combien fois ou nous assemblé ou chita ba ko ton moun ou pa ka jamais mande moun nan comment lié dimanche après dimanche ou est moun nan ou pa gen amour au lieu pour vinn ou elle a crié ou te ka passer mon nan dol frèm comment yé sèm comment yé is there anything I can do for you est-ce que m ka aide ou prier non ou critiquer moun nan ou vinn l'église lan li tout sale la pe de crier c'est ça que nous font en chrétien c'est ça que fait nous pas enraciné nan amour de Dieu. Oui, je connais ma prêche à soi. Mais moi je veux encourager à travers parole mon Dieu. Amour. Nous t'as supposé séparer l'amour agapé. Nous t'as supposé un refuge pour l'autre yo. Même gens, même pied bois ça non seulement li bay fruit, mais branche commencer élargir.
Les moun besoin repos, chaleur nan kò yo, yo besoin pare soleil al coucher en bas même pied bois ça. Combien moun nous réconforter? Troisième bagay. Le nou ale nan verset 18. Li dit vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Li mande pour gen puissance pour comprendre avec tous les saints. Pas peut-être pas yo, avec tous les saints. Ça veut dire que bon Dieu ba nous puissance et pouvoir pour nous ka gen relation avec l'autre yo. La puissance de comprendre. Vous puissiez comprendre. L'or li anglais li dit the power to comprehend. Ou bien la puissance pour nous réaliser. C'est moi, littéralement réaliser avec tout saint yo. Kounya, nous ka commencé gen relation avec moun. C'est pas zami tay. On va parler de zami tay. Ou ka commencé bâti yon relation avec yon frère et sœur. On va parler relation et ni zami tay ni relation romantique. Ça veut dire que ou ka aller toucher yon moun ki nan besoin. Nous te li nan Psalm 146 avant pou nou te commencer. Nous dit comme ça que Dieu prend soin des veuves et des orphelins. Combien moun? C'est ou même qui agence Christ. C'est pas ou même pour le passé. Pour orphelin yo, pour le prendre soin orphelin yo, pour le prendre soin veuve yo. He has to go through you. Combien moun ou mettez en bord dit comme ça que moun nan fait qu'entrer nan li son bébé en Christ. Combien moun nous dit comme ça que OK m'a prendre m'a fait étude ensemble avec, m'a prier ensemble avec, ou a guider ou faire de moun sa yon disciple. Jésus-Christ dit allez grande commission de Matthieu, allez faire des disciples et baptisez-les. Combien moun ou fait ça pour yo? En tant que chrétien, bon Dieu pas créé nous pour nous te vivre une vie d'isolation. C'est ça que fait l'elfine fait Adam, il dit comme ça que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon Dieu son bon Dieu relationnel. He's a relationship God. Là nous gardons dans Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Paul dit élargis que nous. Élargis que nous. Là aller dans Galates chapitre 6, verset 2. Li dit comme ça que supporter l'un l'autre, fado l'autre moun yo potel. Reach out to each other. L'arrivé dans Jacques 5 verset 16, li dit confessez péché les uns les autres parce que ou pas on il pour grandir spirituellement pas qu'à faire pour contour. Bon Dieu son Dieu relationnel. Second relation verticale avec Dieu ou pas une relation horizontale avec les hommes, c'est temps perdu. Ça représente la croix. Nous prenons une pause avant que nous entrions dans le quatrième point. Nous toujours dans Éphésiens, chapitre 3, et nous prenons entrer dans le quatrième point. Nous voulons 5 points, nous voulons forward pour porter encouragement pour vous, sous sentir vous décourager pendant que vous attendez l'émission ça, ou bien suivre nous sur les réseaux sociaux. Parole ça, c'est pour vous. N'a pas retourné tout de suite, restez branché. Vous attendez la BIBLE sur les ondes de Radio Parole de Vérité avec Servantou Skaina Mendron. Gardez l'écoute. Timothy 3:16 and 17 says, all scripture is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. The BIBLE
Basic Instruction Before Leaving Earth on Radio Parole de Vérité with Minister Skaina Mendron is a show that provides biblical and practical help for everyday problems, spiritual, social, educational, health, and family issues. So join us and listen every Thursday from 7 to 9 p.m. and Sundays from 5 to 7 p.m. You will be blessed. Radio Parole de Vérité, bonsoir. La paix de Dieu vous soit. Bonsoir, bon Dieu, bienvenue tout fanatique qui attendait dans mon moment là. Et ça, c'est Frère Blondie, pas vrai? Yes, c'est Brother B, oui. Brother B, du groupe Azer, comment nous y est? Comment tout bagaille? Félicitations, Brother B. Thank you. Et nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous bien à Jésus, on connaît. Nous là n'a gardé sans Jésus qu'on n'est pas rien et nous qu'a fait. C'est lui même qui dit sans lui on ne peut rien faire. Amen. N'a lutté. Donc Brother B, nous connaît que le groupe Azer évangélique et a préparé pour yo sorti album yo. Pour monde qui pas connaît, parler un petit peu du groupe Azer, qui côté groupe Azer situé. Bon, basically Azer c'est un groupe évangélique qui basically sorti et dans Randolph et nous basically nous sorti dans Randolph Brockton bon nous éparpillé bon basically nous te dit que nous sorti dans Boston mais et côté nous marcher nous persévérer c'est dans l'église nazaréen ami de la sagesse qui est située dans Malapen. Amen. Donc et nous connaît que et mois de septembre là c'est moi Azer. Donc dit ami auditeur auditrice surtout monde qui cite dans zone Boston qui activité que Azer a mettez sous pied et comment yo ka venir pour supporter Azer. Bon basically à mois de septembre nan là c'est moi Azer lié vraiment ça fait troisième anniversaire non 3 ans depuis que nous existons. Bon pas depuis nous existons depuis que nous definitely a fait non parce que groupe là était là déjà mais nous pour prendre initiative vraiment et pour nous te camper avec des activités spirituelles et ça va faire nos 3 années et depuis que nous nous camper là solide et nous gain des albums que nous te gain pour nous préparer depuis auparavant mais nous pas de chance vraiment bon puisque c'est pas de volonté bon Dieu et pour nous faire album yo sorti dans plusieurs reprises mais année ça et nous décidé vraiment pour que album et groupe là sorti dehors et qui genre que qui là qu'il va sortir c'est dans 9 septembre qu'il va venir là et que nous gagnons un réveil et qui a fait c'est réveil la jeunesse qui avec Azer qui met ensemble qui va le faire réveil ça n'a bien non depuis le dimanche 2 septembre et réveil a commencé et puis l'a clôturé dans dimanche 9 et puis dans dimanche 9 à dans l'après-midi Azer pour faire un album release party côté que tout le monde a invité et tout le monde qui fait partie Boston yo pour l'inviter et I mean déjà invité et déjà invité nous t'a souhaité que tout le monde vienne porter nous porter coller ensemble avec nous
et li pa tellement cher parce que ça parce que moun Boston ka gérer ti ça. Amen. Est-ce que nous avons des artistes invités dans concert là? Oui, n'a bien l'autre artiste qui sorti dans l'autre église, n'a bien Eloy, n'a bien le Déronette. Mm-hmm. Et puis n'a bien encore single artiste qui personnellement qui a évolué dans le Nazaréen. Et puis nous gagnons tant d'autres encore et qui a sorti tant d'autres groupes en chorale qui cap là ensemble avec nous dans jour ça. Yes. Donc c'est pas une grande célébration pour la gloire de Dieu. Est-ce que ou ka di nan ki côté la fête et puis date et non seulement concernant mais réveil là de quelle date à quelle date? OK, réveil en premièrement, on a commencé de 2 septembre jusqu'à 9 septembre. Mm-hmm. Adresse côté la fête, c'est situé dans 130 River Street Madapen. 130 River Street qui dans Madapen, c'est là la commencé exactement à 6h. Pour 9h30. Okay. Parce que nous connaissons l'école à ouvert dans le Sahara, l'école à fait couvert, l'école qui pourquoi a ouvert tout. Mm-hmm. Et de toute façon, nous essayons de commencer le bonheur. 6h pour 9h30 pour tout le monde qui est dans la caillou, pour tout le monde qui parle de l'école, parce que autrement, c'est un réveil à la jeunesse la pied. Okay. Et notamment, il faut que tout le monde ait la caillou bonheur pour être capable de lever dans le demain cerveau pour être capable d'aller à l'école. So, therefore, et c'est pour raison ça, elle a commencé à 6h et pour 9h30. 9h30, on se pose et on finit pour tout le monde capable de la caillou. Amen. Donc, nous encourager toutes jeunes, toutes parents qui attendent, c'est un réveil pour la jeunesse pendant entrer l'école là et sous capable mener petit tout et puis venir pour qu'à supporter le groupe Azer dans grand concert ça et révèle à prêcher par plusieurs et moun plusieurs pasteurs oui oh. Spécialement et nous gagnons pasteur Skaina, nous gagnons et pasteur Astrid, nous gagnons pasteur Judith et nous gagne pasteur Paul aussi. Ça fait nous chercher nous pas chercher moyen faire avec un seul pasteur, c'est parce que nous on arrive à la jeunesse et nous connaissons plusieurs inputs et chaque monde gagne input par yo et gagne monde qui t'apprécie d'une façon puis bien qu'on l'autre ou bien pas comprendre pas connaît mais de toute façon nous cherchons moyen mettre parce que connaît que l'on veut pas gagne un monde quand même qui parle aux gens jeune n'a pas remel et ça dépend tout bon l'autre monde qui n'a pas aux gens jeune n'a pas remel ça gagne c'est pas pour dire son polémique yeah. Mais quand même c'est chercher n'a chercher moyen mettre tout le monde à l'aise et non façon que yo ta remel pour prêcher la fête. So therefore ta que j'en dis nous intéresser tout le monde voyez petit yo voyez jeune yo vinn tande parole bon Dieu parce que important et surtout et l'école qui va l'ouvrir et j'ai une prière après des prières capable aider tout le monde et aller dans mi temps année à faire année à bien passer année en bien parce que c'est juste nous comment que gagne en pile choudine qu'a fait dans l'école bon apprendre et vinn tirer tout le monde bagaille dans souffle tout le monde son bagaille qui très triste ça veut dire que si nous pas gagne puissance mon Dieu ensemble avec nous et ça veut dire ou déjà ouais dans qui ça que nous à pied et dans qui ça que nous à pied so, c'est pour raison ça nous toujours faire dans époque ça et pour nous capable qu'embé ti moun yo dans la prière so même parents ou invité puis dans petit tout dans jour que capable et pour venir prier pour ti moun yo capable passer une année scolaire qui dans niveau spirituel. Donc et après on dit on clôture réveil là avec un grand concert et ou dit c'est grande première album ce qui perspective pour Azer après concert ça. Bon après concert là comme à l'habitude nous gain plusieurs autres activités qui là déjà que gain des églises qui déjà invité nous et al jour pour yo et pour gain que gain mon qui nous confirmer que nous n'étions pas prêts à jouer aucun côté pas avant que album là et fin sorti nous étions en préparation c'est pour raison ça que gagne une série de dates que m'a pas fin confirmer sur les zones parce que m'a pas dire l'heure et puis il y a monde qui t'attend le ça et puis qui vini va jeune rien dans le ça sur nous pas dire ça mais nous gagne des dates qui déjà pour confirmer qui l'a déjà que nous qui en cours que n'a parlé de yo sur coup aussitôt que nous connaît que tout bagage confirmé on croit que n'a premier monde qui était capable
et au courant de date ça yo, n'a toujours qu'à mettre et vraiment avec chemio ça pour nous pas dire fanatique yo et vraiment avec chemio en pression pour nous capable faut connaître what's going on et comme nous déjà gon paquet monde déjà qu'a prélé nous et qu'a demandé nous album tout mm-hmm. et n'a dit que son opportunité que le pralier parce que album n'a supposé d'ailleurs et avant 2 septembre n'a gagné un fin printé toute bagaille ticket d'ailleurs ça j'ai pas le faire pour ticket mm-hmm. chaque monde qui a participation par qui a supporté nous pas dit n'a vendre mon ticket et n'a nous plutôt dit que pour qui t'a appelé ba nous support yo pour faire et river là qui a supporté Azer la grande première ça la $20 Okay. On a toujours un ticket et puis on a tout fait cadeau en CD. Donc, sans bonne opportunité pour supporter Azer Groupe Jeune ça qui a fait un travail extraordinaire. Il n'a pas fait pour l'argent, mais il a fait pour la gloire de Dieu. Donc, il nous connaît que l'écouter pour fond CD. Mais donc, $20 seulement, non seulement ou a béni spirituellement à travers Azer, toute l'autre. Et inviter tout l'autre artiste qui peut participer dans le concert là et puis en même temps tout ou gain chance pour gon CD ensemble avec vous. Donc et pap qui ba un numéro de téléphone si vous t'ka rentrer en contact avec vous et Brother B avant que nous quittons aller. Bon ka contacter nous basically et nous ka bay ou bien website ou bien Facebook Azer si Azer gon Facebook. Ou bon, Azer Facebook, nous avons contacté toujours sur Facebook Azer, qui dit Azer Evangélique. Okay. Azer Evangélique slash, Facebook.com/ Azer Evangélique. Ou bien tout, nous avons capable de contacter nous dans 774-297-8030. 774-297-8030. Ou bien, nous avons les rencontres. 240-6204 So nous capables de briller et puis si que ou bien des informations et ta cause de là au monde là et puis nous même personnellement de vous faire partie ça tu sais pas venir délivrer là avec toutes ces déos nous $20 on fait nos cadeaux $20 nous même nous font cadeau on dit avec yon carte. Amen. Donc, contactez Azer et même là, pas t'as qu'à aller dans le concert, contactez, supportez, non, même là, pas vini ou bay $20, ou toujours jouer nos bagages parce que l'album non, nous t'en est pile, mon sol à donne, li béni nom nous en pile. Donc, supportez. Encore une fois, Brother Blondie, merci pour participation dans l'émission. Et pas oublier, Azer écrit A-S-E-R, Azer Evangélique. Pour moun qui pourrait checker sur Facebook, yo, c'est A-S-E-R. A-S-I-R, Azer Evangélique. Sur Facebook, qu'on soit qu'à vous un message, bah, au numéro que Brother B. Bailan ou qu'à joindre ni. Et puis, supporter. Pas oublier que Réveillant, c'est dans l'église Nazaréen et Ami de la Sagesse qui est dirigé par le pasteur Zéphir. Encore une fois, merci Brother B. Qui date Réveillant encore? C'est 2 septembre jusqu'à 9 septembre. 2 à 9 septembre. Donc, venez supporter, ou même qui est dans Massachusetts, l'école a pouvri, menez Timounio pour yon ka jouen pa yon. Parce que yon pile moun qui pral prêcher pour parler ensemble avec yon. Donc, encore une fois, Brother B, merci. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine nap. Nous venons pour nous prendre encore pour continuer à parler et puis entrer avec contact avec l'autre staff dans le groupe Azer pour parler avec le peuple, bon Dieu. Ok, merci bien, c'était un plaisir que bon Dieu capable bénir nous. Merci. Bienvenue encore sur la BIBLE. Comme nous te promettons, nous te disons micro à ta pauvre. Donc, et pas oublier à supporter le groupe évangélique, ça, Azer Evangélique, et qui ont semaine de réveil de 2 au 9 septembre, qui a fini avec un grand concert. Et nous, c'est une monde
qui a prêché dans réveil là pendant quelques jours. Donc supporter ministère ça à $20 seulement pour prix concernant non seulement pas ça mais ou joindre un CD Azer. C'est première fois après y a sorti grande première yo et voir ça qu'on t'attendait hein. C'est voir Brother B, frère Blondie, qui c'est une chanteur dans groupe Azer. Donc, sous fait branché, n'a continué avec mot d'encouragement parce que pendant l'émission, ça, bon, je mettais sous comme il y a un monde qui découragé. Par contre, qui est-ce que ça, j'en ai, si c'est pour Prol. Et comme moi, je me reconforme moi-même personnellement à travers verset ça, donc moi, je voulais encourager au côté Paul, t'a prié pour les saints d'Éphèse. C'est dans Éphésiens, chapitre 3, du verset 14. Nous, t'es bien temps aller. Nous, t'es ouais, que Paul, premier bagage que t'es demandé, dans verset 16 ans, pour bon Dieu, renfermer, fortifier, par cet esprit, ça c'est le premier bagage que nous t'ai discuté dans verset 16. Deuxième bagage que Paul t'ai prié pour lui, pour y aurait été enraciné et fondé dans l'amour de Christ, ça verset 17 partie BA et puis partie CA, c'est verset 18 qui t'ai dit pour y gain puissance, pour y gain connaissance avec tous les saints, have power to comprehend with all the saints. Et quatrième bagage que nous t'ai voulu entrer la donne, c'est dans verset c'est dans verset 19, partie A, que verset 19, partie A, côté Paul dit, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. And to know this love that surpasses knowledge. Il priait pour les saints d'Éphésiens pour connaître l'amour de Christ qui surpassait toute connaissance. Il dit en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. OK? Donc en retenant en déchiffrer partie B. Pour gain connaissance, pour gain compréhension d'amour de Christ qui surpassait toute connaissance. Donc, on a parlé amour de Christ. C'est amour ça qui retire Jésus-Christ dans majesté pour le venir sous la terre. Prend chair. Non seulement prend chair pour le vivre parmi nous, le fin encore pour lui mourir pour nous sur le bois du calvaire. Le nous garder amour ça, comme nous dit comme ça que son là amour qui sans limite, son amour qui total, son amour qui complet, son amour qui éternel et tout son besoin ou am jeune dans amour Christ. Amour ça, il rive dans tout petit coin. Sous ces chrétiens, tu supposé rive dans tout petit coin la vie, dans toute expérience qu'on a traversé. Amour ça, c'est lui même qui là, qui est bon pour pas tomber. Donc sous découragé pendant tandem. Pas oublier amour Christ qui surpassait toute intelligence. Amour ça son amour qui profond. Même le ou ta dou décourage arrivé à terre ça amour ça ou prend gros son mon pas arrêté à terre à cause de amour Christ. Même l'ta nan désespoir, même dans la mort. Amour Christ là pour supporter ou. Comment ka fait comprendre un amour qui surpasse toute compréhension. Ou pas jamais ka comprendre ni. Pas avant que rentrer dans la gloire de Dieu. Mais qui sont qu'à faire? Ou qu'à prier pour demander bon Dieu pour comprendre plus et plus de amour ça. Et demander requête ça, fais prier ça chaque jour. Pas une seule fois. Fais-la chaque moment que vous capable. Dis bon Dieu aide-moi. Pour me connaître plus, pour me connaître plus de amour. Parce que nous ouais que c'est ça. Paul a prié pour yo et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'autre bagaille que Paul priait pour yo c'est dans verset BA. Non seulement pour gagner amour qui surpasse toute intelligence, partie BA, toute connaissance, il dit en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh, alléluia.
that you may be filled with the fullness of God, toute la plénitude de Dieu. Ça pas veut dire que on jamais comprendre, on comprendre plénitude ou pas jamais comprendre toute divinité mon Dieu, mais on tellement rempli avec le Saint-Esprit de Dieu. On capable. Et c'est condition ça, c'est notre position ça que bon Dieu veut nous yer. C'est ça qui fait nous aller avoir dans Éphésiens chapitre 1, il dit que ça que il bat toute bénédiction spirituelle yo. Il pas veut pour être même moment, faut qu'a grandi spirituellement, même gens avec pied mango nous te prend comme illustration, non seulement mango planté, il enraciné, il commencer grandir, non seulement grandir, il produit fruit. Branche yo bay l'ombrage. Donc quitte bon Dieu prend possession, prend contrôle, contrôle total la vie ou, bay bon Dieu toute vie ou, pour qu'il soit serré. Li te bay toute la ville pour ou. Il a renoncé à sa gloire, sa majesté. Parce que li connaît que ou mérite-il. C'est ça qui fait nous relé le grâce. Grâce en faveur qui imméritée. Mais notre grâce si nous amour li, notre bonté, malgré nous pas mérité, li justifie nous quand même. Avec le Saint-Esprit qui a la vie ou supposé produire fruit. Ou supposé gain paix, ou supposé gain amour. Parce que le Saint-Esprit fruit l'un qui a dit cadeau spirituel, don spirituel. Pas seulement physique, pas bien matériel, mais don spirituel. Paix, joie, tempérance, patience. Le sentir découragé pour remonter au. Toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude. C'est ça que lui dit. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tout don spirituel que le doux héritier dans Éphésiens 1er. Paul priait pour les saints d'Éphèse. Pour moi-même avant, on peut utiliser prier ça pour arriver dans la plénitude de Dieu. Pour semblable avec Dieu. Pour gagner la piété, la bénignité, la caillou, la bonté. Donc, le verset 20 à 21, nous arrivons dans la doxologie. Paul tellement ému à travers prière ça. Il est tellement ému. En nous lit verset 20 et 21, pour qu'on voit comment Paul, pendant qu'il était fléchi genou devant présence Seigneur, il était ému. Donc, deux versets, ça lui dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Côté puissance, ça est, il agit en nous par le Saint-Esprit. Qui agit en nous infiniment. Alléluia. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mémé anglais, Anglais a dit, now to him who is able to do immeasurably more than all we can ask or imagine. Tout ça t'a même pensé et imaginé pour grandir, pour être encouragé, pour être raciné, pour être bien fondé, pour être dans la plénitude de Dieu. Lui déjà dans nous-mêmes. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, c'est comme si Paul a fait pléonasme. Verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toute la génération, au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc là, il dit comme ça que il a fait plus que qu'a pensé et imaginé.
li ka pran tout problème dans la vous. C'est ça il dit dans Philippiens 3 verset 21, m'a présumé le pour porter toute bagaille ba li. Li ka pran tout problème dans la vie. Mettez l'en bas contrôle Seigneur. L'elle sauve, il sauve complètement. Hébreux 7 verset 25, c'est ça il dit, to save completely, more abundantly, super abondamment. C'est lui-même Paul dit comme ça que il ca aider pour pas tomber dans Jude chapitre 1 verset 24. Jude son seul chapitre pour qu'on l'île la pour courage. C'est lui-même qui ca préserver de la chute pour pas tomber. Now only to make grace abound. 2 Corinthiens 9 8. To do immeasurably more abundantly above all that we can think or imagine. Nous sortons ça dans verset Éphésiens 3 verset 20. Lui dit, he has the power to bring everything under his control. Tout contrôle, tout bagay qui dans la vous, bon Dieu, qui est puissance pour contrôler yo. To save completely. To keep you from falling. Bye, bon Dieu, gloire. Bye, bon Dieu, gloire pour grâce li. Bye, bon Dieu, gloire pour grâce li. Dans l'église, elle dit, l'église, c'est pas un building. Ce n'est pas l'église de Dieu, l'église c'est moi-même ensemble à voir, nous rencontrer collectivement. Nous c'est church que tu adores, c'est un building que lié, c'est un bâtiment que lié. Bye bon Dieu gloire pour le don du salut, que lui réconcilie, alléluia, réconcilie en Christ. Tout peuple t'a supposé bye bon Dieu gloire. Louer l'Éternel. C'est ça nous lit dans Somme 46. Donc, allons bel passage. On m'aime encore. Qui sentit qu'on pas capable. Dieu est capable. Il le fera. Prends passage ça. Éphésiens 3 verset 14 et 21. Méditez sous lui, mémorisez-le. Parce que passage ça, l'a encouragé, l'a raffermi force, quelle que soit la situation trouvée ou la donne, c'est parole, mon Dieu, qui a débloqué. C'est ça que fait moi-même, moi, je veux encourager. Parce que lui encourage. C'est un médicament que lui est. Donc, pour nous appliquer ça, quand pile dans nous-mêmes, et Samson dit comme ça que l'État remérité dans la présence de mon Dieu. Ça, et ça, David dit, pour contempler. Des fois, nous pensons que faut que nous avons une routine, faut que nous avons une schedule. Pour nous prier, si nous n'avons pas un temps bien déterminé, en anglais, je suis called a quiet time, si nous n'avons pas un petit temps, si nous ratons, si nous levons trop tard, eh? Si nous dormons trop peu, nous n'avons couru, nous pas un temps pour nous faire dévotion nous matin, et eh bien nous disons, bon, puisque nous n'avons pas un temps, mais pendant la machine, pendant le bus, là, quel que soit le côté, moment, parce que le Saint-Esprit habite dans nous-mêmes. Bon Dieu, pas un temps spécifique. Pour parler avec elle, ou supposer parler avec elle, tout ça fait du prier sans cesse. Nous pas qu'à prendre mon Dieu pour nous mettre, pour nous retirer, pour nous mettre dans une boîte. Si c'est pas dans l'assemblée à me prier, me pas sentir bien. Si c'est pas dans la closette là, m'entrer me prier, me pas sentir bien. L'heure du prier sans cesse, ça veut dire que rester toujours rester en communication avec Christ constamment. Quiet place là que on parler à c'est en dedans que lié l'homme intérieur, l'homme intérieur. Et ça Paul dit Éphésiens 3 verset 16, il dit afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Intérieur,
c'est la travail a commencé. Il a commencé en dedans. En dedans. Quel que soit côtoyé ou kabay bon Dieu gloire à chaque moment, à chaque instant. Gen chanté qui dit m'a ploué au Seigneur à chaque souffle prend. M'a ploué au Seigneur ses promesses sont fort. Là nous chanter hymne ça, est-ce qu'on mini parce que puissance ça qui n'en oua, puissance ça, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ou pas canan lac spirituellement, sourete, sou agi fort, puissance ça que mon Dieu ba ou, qui ka fait infiniment, abondamment, au-delà de tout ce qu'a pensé et même imaginé. Il dit à Dieu soit la gloire. M'encourageons. Fais ça tout le thème la vie. To God be the glory. This should be the theme of your life. And that's it was the theme of Paul's life. C'était thème vie apôtre Paul. À Dieu soit la gloire. Ni dans bon moment, ni dans mauvais moment. Imaginez pendant que l'on route pour aller en prison, yo fin bat li, et puis il écrit là au sein des fesses, et puis il prie pour yo. He pray for them. Bye mon Dieu gloire bien aimé. Bye mon Dieu gloire. Il prie pour yo. Il m'a dit pour vous remplir avec la plénitude de Dieu. Pour vous comprendre. Amour, Christ, qui surpassait toute connaissance. Il priait pour vous avoir compréhension, pour vous avoir pouvoir de comprendre avec tous les saints. Ça veut dire que nous disons que il n'est pas pour vous seulement. Faire des disciples. Reach out to somebody. Toucher au monde pendant l'église pendant on assemblée au monde qu'on pas connaît qui n'assemble pas qu'on non allez li ka saisi parce que nous pas fait ça nous même chrétiens d'aujourd'hui nous pas fait ça depuis nous venir l'église en bon Dieu nous dans monte nous là ou bien dans cell phone nous n'a texté nous dans Facebook nous propose n'a mettre service live pendant ce temps nous pas attendre rien pendant ce temps monde qui bon koto là ap souffrir. Donc encourager puissance pour comprendre avec tous les saints. Paul prier pour lui demander pour rester enraciné et fondé dans l'amour de Christ. Verset 17 partie B.A. Et premièrement, lui demander pour le Saint-Esprit. Alléluia. Pour le Saint-Esprit à fermer puissamment fortifié par son esprit. Donc nous espérons que parole ça yo te touché ou béni ou encouragé ou et pas oublier pas qu'un bel pour seul. Al prend pas ça, méditer sur lui, mémoriser. Relé en amis en famille nous chaque monde qu'on au monde. Partager parole là avec lui. Dis même pendant t'as attendu la BIBLE. Parole ça pour te confort, même j'ai qu'elle te pour te confort pour moi-même. Quand tu me senti fatigué, chargé. Me partager la voix que lui pour te confort pour ou même aussi. Donc nous parlons d'un dernier morceau, puis nous retournons pour entrer dans la prière. Que bon Dieu bénisse. Découragé, tu crois que Dieu t'a peut-être car des circonstances t'ont dérouté, tu ne sais plus où te tourner.
radio parole de vérité. Tu crois qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver ton chemin. Mais plus d'une fois, Dieu t'a montré qu'il prend bien soin de toi. Je sais. Oui, Dieu te connaît, il connaît, il prend, il croit peine, il connaît douleur, il a pas pour vous. He'll do it again. You may not know when, you may not know how, but he'll do it again. En nous bon Dieu gloire, parce qu'il agira, il a agi pour moi-même, il a agi pour moi-même. Tout problème, toute situation la vie, déposez la pied. Papa, nous qui dans le ciel là, Dieu de paix, Dieu d'amour, nous dit merci. Pour le moment ça que nous sommes passés ensemble, à travers la parole, dans Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 21, qui portait encouragement pour nous, Seigneur. Nous prions que tout le monde qui t'attendait, béni abondamment, parce que c'est bon Dieu qui a habilité pour faire tout ça que nous-mêmes pensons, plus que tout ça nous pensons et imaginer. Donc Seigneur, tout problème, yo, nous pas peur, yo. Toute tribulation, yo, nous pas peur, yo. Maladie, yo, nous pas peur, yo. Parce que tu es l'Éternel qui guérit et c'est vous-même qui a agi pour nous. Ou pas tant que les hommes, ou pas menti. Parole ou c'est oui et amen. Nous disons merci pour toutes oreilles qui t'attendaient, pour toute internaute qui t'est branché. Seigneur, nous demandons pour continuer à bénir abondamment. Seigneur, continue à bénir ministère ça, SG Ministry, tout le monde qui fait partie là-dedans, Seigneur. Continue à bénir ministère ça, Radio Parole de Vérité. Seigneur, tout animateur, toute animatrice, Seigneur. Visionnaire radio, Seigneur, touchez-vous. Ou agis pour nous, papa. Pas quitter nous jamais décourager, fait travail. Oui, Seigneur, c'est bon Dieu. Ou régner ou pas changer. Donc nous bon gloire. Nous pas parce que nous dit ni nous bon, mais nous prions au nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Il n'abandonne pas. Ouh, il est hier. Et il combat pour toi. Tout comme pour Moïse. Tout comme pour Daniel. Et pour www.radioparoledevérité.com. La radio qui fait la différence. Ou qu'à écouter nous, si on est aux États-Unis, sur 712-275-82-93. Ou bien 515-605-5646. Si on est au Canada, ou qu'à écouter nous, 1-867-675-1667. Sur la République dominicaine, ou qu'à écouter nous, sur 1-829-999-2572. Si on a la coule à France, écoutez-nous sur 3-318-014-0004. Radio, parole de vérité, la radio. Je sais. Encore une fois, merci avec tout internaute nous, jusqu'avant que nous quittions nous. Et si vous avez une requête de prière spéciale ou t'as pour nous prier pour nous saluer le frère Bernardo, bienvenue, bienvenue. Bénise Jacquet,
Que bon Dieu bénisse nous, nous espérons que tu aies trouvé réconfort à travers parole sa yo. Parce que nous voyons que tu es marqué, ou dit, ou sentir découragé, recevoir bénédiction au nom de Jésus. Donc, si il y a un monde qui a une prière, une requête de prière, et nous ne voulons pas aller sans nous pas prier pour vous, et nous tenons Éphésiens chapitre 4, verset 14 à 21. Donc, nous allons dans la prière que Paul t'a fait pour le Saint d'Éphèse, et pour nous pas appliquer prière ça à la vie, nous. Donc, et si vous avez qui ont requête de prière encore une fois, merci avec tout le monde qui t'est branché, tout le monde qui t'est partagé sous page, sous pour qu'on fait ça, partagez, sous t'es raté en bagaille. Là, nous finissons, nous pouvons mettre les dans YouTube, ou qu'à regarder le compte Facebook, ou bien qu'à aller dans YouTube, tapez SG Ministry sur YouTube, qu'on soit qu'à regarder toute émission, et puis qu'on soit regarder tout l'autre enseignement que nous fait, parce que nous mettons tout bagaille sous YouTube. Ma carte, que bon Dieu bénisse. Et nous espérons que, nous ne pas espérer, nous connaissons que mon Dieu travaille dans la vie. Donc, la page pour pas jamais décourager, quelle que soit la circonstance là, pas jamais décourager. Parce que, parole dit, puissance qui agit dans nous-mêmes, qui fait infiniment au-delà de tout ça que vous pensez et demandez. Donc, quittez le Saint-Esprit, agir. Pour vous, pas oublier leur partager bagaille sous page ou encourager ministère là. Nous sous YouTube SG Ministry, nous sous Facebook SG Ministry, nous sur Instagram, nous sous Twitter, nous sous toutes réseaux sociaux, toutes réseaux sociaux majeurs. Nous la donne. Donc follow us, like us, quand on dit partager sous page. Et puis nous t'es live t'as là Instagram, là fait ça. Pour propager l'évangile parce que nous besoin connait que ça n'a fait nous connaît pour moun ni la recevoir encourager pasteur c'est lui Sam comment y est nous pas attendre escort dans zone Boston nous besoin dans émission nous songer comment madame Mouye petit tout nous connaît que tu gagne rêve ou t'a prêché ici aux États-Unis mais nous pour connait sous dans zone Boston sous dans zone Boston entre en contact avec nous nous besoin pasteur Sam nous met sous fait nous connaît que là pas comment mais en s'entend il agira. I don't know how but he'll do it again. Bah on comment mais la page pour et que bon Dieu bénisse que Pelli amour li rete et demeure avec vous. Pas oublier que puissance ça qui n'en haut le Saint-Esprit qui n'en haut
quitter la chipou, quitter le fer route avec. Que bon Dieu bénisse. Encore une fois, merci pour tout le monde qui t'est branché, pour tout le monde qui t'est partagé sous Pajou. À la prochaine. C'était Servantou, Skaïna Mendron, depuis Studio 3 dans l'île Massachusetts, sur les ondes de Radio Parole de Vérité et aussi sur toutes majeures réseaux sociaux. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et pas oublier que l'émission Savine joint nous chaque jeudi pour la BIBLE, 7h-9h. Et chaque dimanche, nous comptons commencer à 5h, mais n'APC, peut-être nous allons commencer 6h-8h. Et ça fait que nous, là, toujours d'habitude, nous faisons 5h-7h. Donc, merci. À la prochaine. Bonne semaine avec Christ. Merci. Tu es le très haut, tu es mon berger, tu es mon abri, gloire, adoration. Gloire, je veux glorifier ton saint nom, toi l'infiniment grand. Tu es mon berger, tu es le très haut, tu es mon berger, tu es mon abri, gloire, adoration. Tu es mon abri, gloire, adoration. Tu es un refuge pour moi, ô Seigneur Dieu de tendresse. Contre toi je trouve le repos, toi mon seul protecteur. Tu es mon berger, tu es le très haut, tu es mon abri, gloire, adoration. Tu es mon berger, mon seul protecteur, mon libérateur, mon seul défenseur. En toi je trouve ma force, je veux glorifier ton Saint-Nom. Toi mon seul abri, oui toi l'infiniment grand. Je ne pourrais vivre sans toi, que mes prières augmentent ma foi. De le silence, que ta réponse me rapproche plus près de toi. Me voici comme un enfant, je me donne éternellement. Fais de moi ce que tu veux, parce que toi tu es mon Dieu. T'adorer, t'aimer, oui te louer, là est mon seul désir d'exister. T'adorer.